Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier, d'autant que nous l'attendons depuis 2 mois. C'est un moment fort car il matérialise et rend concret des mois de travail en concertation avec la liste, d'échanges et d'écoute des attentes des Batziennes et des Batziens. C'est également une émotion personnelle de pouvoir travailler dans la proximité, dans l'action concrète pour ma commune. C'est aussi une émotion collective partagée avec l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, de débats houleux, comme des clavriers. Aujourd'hui, nous nous connaissons tous très bien. C'est pourquoi je peux vous dire que c'est une équipe qui a montré sa solidité, son implication et qui a hâte de mettre ses différences compétences et expertises, son énergie collective au service de Bas et de ses villages. Vous pouvez avoir confiance en la compétence et le dévouement de ceux qui vont dorénavant travailler à votre service. Je mesure, et nous mesurons tous, que le rôle que nous endossons ce jour nous oblige. Nous sommes responsables de la direction que prendra cette commune. C'est une responsabilité importante et exaltante à la fois. Je mesure, et nous mesurons tous aussi, que cette responsabilité nous impose une certaine humilité. Nous allons apporter nos pierres à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après. Modestement, en gardant à l'esprit le bien commun, sans défaire pour le plaisir de refaire et sans faire table rase du passé. C'est un moment fort donc, mais également un moment singulier dans un monde redécidé par le Covid-19 où nous avons dû apprendre à vivre de façon contre-intuitive, en nous distanciant les uns des autres, en respectant un confinement qui s'est allongé de semaine en semaine. Nous vivons donc une époque incertaine. Ces prochains mois vont être l'occasion pour notre nouvelle équipe municipale de commencer à mettre en œuvre le projet qu'elle vous a proposé. Un projet fait de bon sens, de concertation et d'ambition pour notre belle commune. Il faut garder à l'esprit que cette période à venir nous demandera une adaptabilité aux décisions gouvernementales fluctuantes et à une réduction probable des moyens financiers dans ce contexte sanitaire particulier. Notre premier défi sera donc d'imaginer ce que l'on a pu appeler « monde d'après » ou « vie d'après ». De façon plus pragmatique, il s'agira de pouvoir rendre à chacun sa capacité à vivre le plus naturellement et le mieux possible, tout en garantissant un cadre sanitairement cohérent, ni totalitaire, ni laxiste. C'est un juste milieu, un équilibre propre à la commune qu'il s'agira de trouver, dans lequel nous aurons tous et individuellement un rôle à jouer et une responsabilité envers les autres. Priorité sera donnée au démarrage de la saison touristique et au soutien des acteurs économiques locaux. Nous allons maintenant travailler main dans la main avec les 3 élus de la liste Réussir, Bas et ses villages, Bruno Perreux, Marie-Thérèse Lechat et François Hurel, dont je suis convaincue qu'ils sauront mettre leur énergie et leurs aptitudes au service de tous pour le bien commun. Enfin, je veux adresser un message particulier pour tout le personnel municipal. Je sais que je pourrai compter sur le dévouement des employés municipaux, sur leur professionnalisme et leur expérience. Je porte l'espoir que tous ensemble, nous pourrons agir en bonne intelligence afin de faire de ce mandat une réussite pour Bas et ses villages,
pour tous les Batziennes et tous les Batziens. Merci. La séance de ce premier conseil municipal est terminée. Je vous remercie.